L'eau de beauté, un secret royal bien gardé. Il était une fois un grimoire chiné sur les quais de Seine à Paris. On y découvre la recette de l'élixir de jouvence dont la reine Isabelle de Hongrie se servait au XVIIe siècle. C'est grâce à l'éclat de son teint qu'elle aurait, dit-on, charmé le roi de Pologne de 35 ans son cadet. En 1997, je me suis inspirée de cette recette pour créer l'eau de beauté, un produit unique entre un tonique, une essence et un sérum. Cette infusion 100% naturelle est gorgée de plantes précieuses aux multiples propriétés. De l'extrait de raisin et de rose pour donner de l'éclat, des huiles essentielles antibactériennes, de romarin purifiant, de mélisse calmante, de menthe poivrée stimulante, ainsi que de la fleur d'oranger adoucissante. Actrice, styliste et mannequin l'adoptent rapidement et cette brume au parfum si singulier et addictif devient culte. Un produit hybride à vaporiser qui rafraîchit le teint, resserre les pores, fixe le maquillage et s'intègre dans n'importe quelle routine beauté. L'eau de beauté incarne ma liberté à créer des formules naturelles qui ne ressemblent à aucune autre, mais qui deviennent indispensables à toutes.